Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Bonjour Kyle. Bonjour, ça va? Alors, attends, il faut que je trouve un petit peu la raison pour laquelle je t'entends absolument pas de sur mon contenu ici. Mais vas-y, Vas-y, dis-moi, 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 dis-moi. dis-moi. Tu m'entends pas? Non. Alors, sorry, sorry for the horrible sound. It was very good and then it turned very very bad. And Oh, I'm c'est gonna try bizarre. to fix this as I can in a second. Because today is fixing day and fixing things live is not so easy. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Bonjour à Jamila, bonjour à Anaïs, bonjour à Delphine, bonjour à Annika, bonjour à Franck. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous étiez avec nous lors de la partie, lors du petit, de la petite session qu'on a donnée avec, avec Creative Cloud Express juste un petit peu plus tôt et que ça vous a permis, eh bien, de découvrir une application plutôt chouette pour pouvoir faire les créations avec vos clients. Merci à tous ceux qui étaient là, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui sont restés et qui reviennent pour voir Kyle. Et Kyle, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui pour que bah, pour un petit peu donner des infos à notre public? Oui, aujourd'hui, on va faire des dessins, des visages, des têtes. Et c'est très simple. Mais comme d'habitude, je vais utiliser des brosses très différentes pour des effets différents, pour voir comment est-ce qu'on peut faire des expériments, pour voir si je fais des marques sur la toile, sur mon file. Est-ce que je pourrais créer quelque chose et réagir, tu sais, à ce que je vois sur la toile, D'accord. sur ce calque, tu vois? Ouais, Et carrément. voilà, Eh bien, c'est écoute, ça. ça m'a l'air pas mal du tout. Pour les gens qui nous suivent du côté YouTube, vous connaissez sans doute un petit peu le concept. On va passer sur Behance, je vais vous mettre le petit lien. Et puis, je vais tout simplement partager ton écran, Kyle, comme ça, on va commencer Oui. directement dans Photoshop. Bienvenue dans Photoshop. Salut Photoshop, on t'adore. Bon, on est là en Photoshop et maintenant j'utilise des brosses que j'ai créées pour IAMAG, qui est. IAMAG, c'est IAMAG en français. On dit IAMAG, On dit cool. IAMAG, ouais. On aime bien le dire en plus. Super. Peut-être que les gens, ils savent que c'est un ressource Alors ça. incroyable, oui. Un site internet pour des artistes, plutôt peut-être pour des artistes qui font l'art pour les jeux vidéo et pour les films, les concept art, si tu veux. Et je crée des brosses pour eux, mais il faut dire que chaque brosse qui est là-dedans est aussi quelque chose un brosse que tu peux trouver dans les librairies des brosses d'Adobe, la collection Adobe. Et pour ça, faut aller à Get More Brushes en français. Je ne me rappelle Obtenir plus plus. de pinceaux. Obtenir plus de pinceaux. Voilà. Et c'est dans la même location. OK. Et quand tu tapes là, tu vas voir qu'il y a un menu où tu utilises ton identification Adobe. D'accord. Et après, enseigner, tu sais, je ne sais pas comment dire, password, name and password. Tu vas voir qu'il y a plus que 1900 brosses pour toi, pour vous. Et voilà. Et pour ça, c'est Blocker. Et cette brosse était originalement dans la collection, je crois, Winter 2021. Est-ce que. Non. Alors, pour le coup, je les Non, connais pas toutes par peut-être cœur, mais je te crois. Spring 2021. Il faut voir. Est-ce que c'était là-dedans? Oui, Big Boy. Pareil. Même brosse. D'accord? OK. Hein, je vais utiliser ça. Et je vais juste faire une marque comme ça. Et comme ça.
Et comme ça. OK. Et on a commencé. Cool. Et quand je regarde cette forme ici, moi, je vois peut-être un nez. Alors, je peux faire ça. Et après, je peux utiliser mon lasso et juste couper comme ça. Ah, c'est classe. Et après, je peux ajouter un ombre comme ça. Couper encore. Hop, hop. Et voilà. On va faire des visages, des têtes très comment dire, stylisées, Stylisé, ouais. stylisation. Est-ce que c'est un mot, ça? Ouais, c'est bien. Ça me fait penser ce que tu dessines là un peu à du Brancusi, tu sais. Ah, j'adore Brancusi. Oui. Ah oui, ça peut être une sculpture de Brancusi. Très sculptural, justement. C'est vrai que tu as une méthode qu'on a vue sur les précédentes sessions Dessinons Ensemble, où tu dessines, tu mets les traits, et après tu enlèves de la matière beaucoup. Il y a vraiment un Oui. côté sculpture dans ton dessin. En Photoshop, c'est facile à faire. On a sur le clavier le tilde, Ouais. comme ça. Et je peux utiliser ça pour annuler, pour effacer, pardon. Ouais, cool. Mais en France, est-ce que c'est pareil? En France, le problème, c'est qu'on n'a pas accès à cette touche tilde. Et du coup, il n'y a pas un raccourci direct. Du coup, on est plutôt, tu sais, sur les raccourcis Alt majuscule X ou R pour Eraser, pour reprendre la gomme à la place, etc. On n'a pas ce truc et on n'a pas de traduction de cette touche. C'est un grand problème, à mon goût. C'est pas juste. Non, c'est pas juste et c'est pas pratique. Je trouve que c'est pas juste et ça m'énerve. Mais si tu n'as pas ça sur le clavier, tu peux simplement aller pour le mode de brosse. Et en anglais, on a clear. Peut-être en Ouais. français, c'est effacer ou quelque chose comme Clear, ça ça. doit être effacé celui-là. Attends, je lance mon Photoshop et je vérifie pour pas te dire de bêtises. Mais ouais, c'est effacé. OK, cool. Oui. OK. Et maintenant, je vais changer de brosse. Je vais utiliser quelque chose peut-être de... qu'est-ce que je peux utiliser? Peut-être fall ou spring. Je vais regarder ce qu'on a en spring. J'aime toujours regarder Oh, c'est pareil. On était déjà là. Pardon. Peut-être fall. Ah, on a beaucoup d'options ici. Et Smooth Hatch est intéressant. Comment ça marche? Ah, et c'est cool ça. Alors, il y a Yves qui nous fait une remarque, et j'avais jamais percuté ça. C'est la touche inférieure qui fait ça en France. Sur le clavier, il me dit sur le clavier suisse, ça fait ça. Et je percute, mais alors ça fait genre 10 ans que je râle là-dessus. Mais c'est la touche inférieure qui sert pour ce raccourci. Ah, vraiment? Ouais. Et je comprends pas pourquoi je suis passé à côté toutes ces années. Touche est différent de comment c'est. Est-ce que comment c'est différent? C'est juste que quand tu tapes, ce n'est pas la même sensation, c'est pas Si, comment non, mais ça. c'est justement parce que moi, j'arrivais pas à retrouver la touche tilde dont tu parlais, Ah, ça, parce qu'on oui. n'a pas de touche tilde sur notre clavier français. Donc pour pouvoir effacer directement, et c'est la touche inférieure, et je sais pas pourquoi je suis passé à côté pendant toutes ces années, c'est idiot. Oui. Non, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais aussi, est-ce qu'il y a des autres claviers, non, pardon, les autres Ah oui, alors comment dire? en Suisse c'est du Qwertz, Qwertz, en France c'est AZERTY, et en Angleterre c'est QWERTY. QWERTY, oui. Voilà. Est-ce que c'est possible quand tu marches en Photoshop de changer le clavier, la langue du clavier? Et est-ce que si tu fais ça va apparaître le Ouais, possible, mais j'avais jamais retrouvé justement ce truc-là. Mais là, du coup, merci Yves, encore une fois.
Yves qui est avec nous régulièrement sur les lives, qui me donne la bonne réponse. C'est une bonne chose, merci. Bon, mais je suis désolé que pas tout le monde peut si, justement. Prendre avantage. Tout le monde peut. Ça marche aussi. Mais pas tilde, c'est assez inférieur. Dommage. Less than. Et voilà, je peux encore utiliser mon lasso. Et si je veux, je peux couper des parties et changer la forme comme ça. Et puis, je peux même dedans, à l'intérieur de cette forme, de cette silhouette, faire des changes comme ça. Je peux utiliser encore le Big Boy, si je veux, qui est ici aussi. Le nom est différent, mais la voix c'est pareil. Juste pour faire des changes comme ça. Tu as dit avant que tu peux utiliser avec les brosses et le lasso des méthodes qui sont plutôt sculpturelles. Oui. C'est très amusant de faire des expériments avec ça. Et oui, c'est un peu cubiste, c'est. Si je veux, je peux ajouter une partie comme ça. Voilà. Et maintenant, je regarde cette partie ici et je peux continuer cette ligne et faire comme ça. C'est fou ce relief que tu arrives à donner comme ça, où on a vraiment l'impression d'une... Enfin, là, on pourrait presque toucher, enfin, ressentir le toucher, tu sais, un peu comme dans les pâtes à mode de Wallace et Gromit, par exemple, où on voyait les traces de doigts. Ah, Wallace et Gromit, oui. En tout cas, c'est ce que j'y vois. Cool. Ça fait longtemps que j'ai regardé les films de Wallace et Gromit. J'ai un Wallace sur mon... il est là. Ah, attends, il est où? Montre-le bien. Difficile à voir. Non, tu ne peux pas voir, il est juste derrière le cas, sûrement. Alors, on regardera après. Et ok, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le nez? On peut laisser tout ça comme il est, mais je peux aussi faire, si je veux, quelque chose comme ça. Et peut-être utiliser un autre chose comme marbler. Alors voilà, c'est amusant de faire des trucs comme ça et juste de faire des expériments avec des brosses. Des expériences.
On dit expérience? On dit expérimentation ou expérimenter, mais faire des expériences. Faire des expériences. Ah! Vous avez J'aime bien faire ce programme parce qu'à chaque fois, j'apprends. des nouveaux mots. Et ouais, voilà. Tu apprends ou tu redécouvres en tout cas. Plutôt ça, oui. Quand j'habitais en France, c'était très facile de parler avec les gens, tout ça, et maintenant, ouf. Chaque fois qu'on doit faire, c'est bizarre, ça c'est un peu horrifique, ça. Un peu D'agiter peur. les. J'aime pas ça. Je peux le laisser comme ça, peut-être. Ou je peux même ajouter. Ça, et après on peut c'est bizarre comment tu peux changer complètement la personnalité de Avec juste disons. la pupille en plus. Oui, mais je préfère l'original. Ok, voilà, Nickel. ouais, on va changer, on va ajouter un autre. Juste ajouter un calque et on peut utiliser les autres brosses qu'on a maintenant. Spring 2019, alors ça c'est des brosses très spéciales dedans, comme Atlas Brush CD. Une chose qui est importante avec des brosses comme ça, c'est qu'ils utilisent le couleur en avant et le couleur en arrière. Les deux ensemble pour créer des marques. Alors, si je mets un peu de pression, pas beaucoup, tu vois que j'ai une marque gris qui Très n'est pas trop légère, foncée. hein. Mais si je ajoute un peu et moins et plutôt un peu plus de pression et moins de pression. Tu vas donner une direction à ta forme, une épaisseur. Et plus facile à montrer ça avec des couleurs différentes. Alors, je peux utiliser rose et bleu, OK. Et tu vois comment c'est moins de pression. J'ai ça, plus de pression et moins et plus. Et dans le même brush stroke, comment dire. Je peux changer les couleurs à l'intérieur. Tu sais? Moins de pression, c'est bleu, plus de pression, et moins. Et c'est cool parce que avec quelque chose comme ça, tu peux faire des formes. Et je peux utiliser moins de pression ici. Juste pour changer couleur. Et je peux changer la couleur ici, comme ça. Et maintenant, je mets plus de pression, mais moins, ça va être même moins foncé, plus clair. Je peux ajouter des parties comme ça. Et si je fais l'envers, maintenant c'est le bleu qui est en avant, en arrière, c'est ça? OK. Ouais. Mais avec moins de pression. Alors voilà, et moins. Je peux faire des gradations, comment dire, Dégradé? gradés, Dégradé? La dégradés. gradient? Oui. Dégradés.
dedans. Et tu peux créer quelque chose qui a l'impression d'être plus comme la peinture naturelle, tu vois? Oui, mais avec le côté magique de changer de couleur, ce qui est jamais simple à faire en peinture naturelle. Non. C'était obligé d'anticiper un peu en amont quelle couleur va passer en premier plan, etc. Et avec Photoshop, on a aussi l'habilité de faire undo. Ça, c'est vrai que c'est un peu la magie de pouvoir annuler son dernier trait, son dernier trait et d'ailleurs tous les autres auparavant, hein, il n'y a pas de souci tant que vous n'avez pas sauvegardé, et de revenir en amont sur le projet. Quand était la dernière fois que tu as utilisé des matériels naturels? Du vrai matériau naturel? Oui, des Alors, aquarelles ou n'importe. aquarelle, pas forcément. Papier, crayon, ça compte? Oui. Alors, il n'y a pas très longtemps. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites dans Fresco directement. Parce que je sais, tu sais, c'est un peu la course à faire du contenu. Donc, préparer du contenu, préparer des illustrations, préparer des images qu'on va pouvoir réutiliser. Donc, ça, je fais Oui. beaucoup ça. Mais après, il y a des tas de moments où c'est simple aussi, c'est facile et ça permet aussi tout bêtement d'échanger avec les enfants qui aiment bien la version papier. Oui. En janvier, je dois encore commencer à enseigner mon cours à l'université. Pour faire la portraiture, Le portrait. portrait, pardon, portrait avec, j'oublie ce mot tout le temps, Try it in English. charcoal, Ah, le fusil, fusain. fusil, Fusain. je dis toujours fusil, est-ce que ça c'est gun, non, ou Ouais, quelque c'est chose? gun, c'est. Ouais. Fusain. J'ai Et jamais compris le fusain, moi. Ça m'a toujours étonné comme matériau. c'est assez messy. Mais quand si tu utilises assez, après quelques années, tu deviens un fan. Moi, j'aime ça. Ah, oh, j'ai oublié de vous dire que j'utilise des brosses maintenant qui sont des mixer brushes. Ouais. Des brosses à mélange, c'est ça en français? Des pinceaux mélangeurs. Pinceau mélangeur. Et ils sont très cool parce que si tu utilises moins de pression, ils vont ajouter la couleur qui est déjà sur la toile. Et tu peux changer ça avec des sliders Des ici. curseurs, ouais. Si je mets ça à 100%, tu vois comment ça mélange les couleurs. Ouais, il va directement chercher les couleurs sur la toile. Oui. Et tu peux même, si tu veux, tu peux choisir l'option de ne pas nettoyer la brosse et ne pas le ré. Ne pas reprendre de peinture dessus. Oui. Faire du Alors, je peux faire remplissage. ça. Et la Oui. prochaine fois, oh, Et attends. plus tu utilises, plus il conserve les peintures qui sont sur le. Ah, ça marche pas. C'est pas comme, je me rappelle plus comment le faire. C'est ici une de ces options. Ok. Tu peux garder la couleur qui est sur la brosse. Et normalement, tu fais un alt d'abord, alt clic. C'est ça, non? Comme ça, je change. Je peux choisir des couleurs qui sont sur la toile, Ok, ouais. comme en Fresco, tu sais, multicolor eyedropper. Je peux faire ça. Mais je crois qu'aussi, il y a une option où tu peins
Et après, quand tu... Ah, voilà. Alors, c'était laquelle? C'était parce que je n'ai pas de... J'avais pas complète... J'avais pas de... De La peinture transparence? sur la brosse. C'était complètement empty. Si tu as une brosse sèche, tu peux gratter l'encre ou la peinture. Oui. Et ces brosses sont dans le Spring 2019. Du coup, ça, c'est des brosses qu'on retrouve donc sur le lien Obtenir plus de pinceaux quand Oui. on va directement depuis Photoshop. Exactement. Est-ce que tu connais Francis Bacon? Ouais, l'inventeur du jambon. On est mauvaise blague. You got it. Yes. Donc oui. Oui, qui fait des trucs quand même un peu bizarres. Mais Et maintenant, quand je fais ça, je pense à lui parce que il a fait des visages qui étaient comme ça. Il utilisait des huiles pour créer des passages comme ça, où ça, tu peux voir comment ça. Comment la matière et la peinture vont suivre la forme 3D, vont suivre le relief. Oui. Et on va changer jazz mixer. Et C'est vraiment caresser la toile avec le pinceau, quoi. Si vous avez jamais utilisé des brosses, des pinceaux mélangeurs, vraiment, il faut les essayer parce qu'ils sont très, très cool. J'ai une question de Annika Agarwal qui nous dit, c'est bien, mais est-ce que les pinceaux mélangeurs fonctionnent de la même manière que les brosses à l'huile dans Fresco? Non. Similaire, mais pas exactement la même chose. Parce que les brosses en fresco, on a aussi... On a vraiment une question d'épaisseur, je Oui, crois, et la de... structure, et tu peux voir comment c'est. Et aussi avec Fresco, les contrôles sont plus simples, plus faciles à utiliser. J'aime bien parce que tu as simplement l'idée que les couleurs vont mélanger. Où ils vont pas mélanger, et tu peux changer tout ça avec le contrôle, le slider. Et tu as aussi l'idée que tu as beaucoup de pain sur le pinceau ou tu n'as pas beaucoup. Avec ces deux options, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire toutes les... Les variantes. Ouais. Mais avec les pinceaux mélangeurs en Photoshop, c'est un peu différent parce que tu vois en haut ici, j'ai quatre options pour changer comment ils vont mélanger. Est-ce qu'il y a beaucoup de peinture? Est-ce que il y a le flow, Le flux, donc la quantité d'encre qui va tomber. okay. Flux. Est-ce qu'ils sont plus ou moins mouillés? Et tout ça, et ça peut être un peu compliqué si tu comprends pas exactement comment ils vont changer l'apparence de brosse, tout ça. Alors pour le flux, ils disent qu'on va définir la vitesse de défilement du trait. Oui. C'est pareil avec les brosses normales en Photoshop, les pinceaux normaux font la même chose.
Et tu sais quoi, j'ai une vidéo sur YouTube. C'est juste 1 minute, je crois, où j'explique la différence entre utiliser flux et l'opacité avec les pinceaux. Tout à fait. Tout à fait. Je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube de Kyle. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de vidéos en anglais. Ça c'est fait, vous n'avez pas d'excuses pour pas y aller, c'est même le moment de vous y abonner. Et tu sais, la plupart des gens, ils ne comprennent pas les différences entre les deux ou comment les utiliser Entre pour les flux et effets un. qu'ils veulent. Et moi, j'utilise presque jamais l'opacité avec des brosses. Je préfère contrôler tout avec flux. C'est mieux pour moi. Mais alors c'est Parce que je juste peux utiliser l'expérience. pression. Et pour contrôler tout ça avec la pression, je préfère ça. Et voilà. On peut continuer à jouer avec ça, mais peut-être qu'il faut maintenant changer, faire quelque chose de différent. Je sais pas. Mais j'ai des autres brosses ici qui sont sympas pour ajouter Des éléments, des des éléments dans détails. le background. Ouais. Atlas aussi, j'aime bien. Parce que ça aussi, ça utilise les deux couleurs entre foreground et background. Alors, si je fais ça, je peux changer avec la pression. Et encore, tu as l'impression qu'utilise les matériaux naturels. Oh, et si les gens, s'ils sont ils veulent comprendre un peu mieux comment ils marchent, les brushes, les pinceaux mélangeurs, j'ai fait une vidéo aussi sur YouTube avec Adobe pour les pinceaux de Edvard Munch, Le un cri. truc que j'avais fait il y a maintenant 4 ans peut-être. C'est ça. Et j'avais fait ça avec des pinceaux mélangeurs. Et j'ai expliqué dans cette vidéo comment un peu tu peux les utiliser pour des effets différents. Alors attends, je vais retrouver, je retrouve le projet directement sur Behance, mais je vais essayer de retrouver le. Les vidéos du live. Ouais. Autre différence entre les huiles et aussi on a un fresco aussi des pinceaux mélangeurs. C'est une catégorie qui est là. La différence que tu vas voir immédiatement, c'est avec la vitesse des pinceaux. Parce que en Photoshop, ils utilisent beaucoup de mémoire, est-ce que c'est ça ou qu'est-ce qu'on dit pour. Et ça peut être un peu lent, ça peut bouger lentement. Tu peux voir maintenant comme je bouge comme ça et après je dois attendre un peu. Tu vois pas ça en fresco parce que
presque utilise seulement le graphics processor. Et ça aide beaucoup à... Faire le rendu. Oui, beaucoup mieux. Est-ce que toi, tu retournes sur des médiums naturels? Pas de d'informatique. Tu continues de dessiner sur Oui, carnet ou... j'ai un ami ici, et des fois on va chez elle sur son patio, comment dire ça? Dans son entrée, sur la terrasse. Terrasse, voilà, pour faire des aquarelles ensemble. Et on pas vraiment pour faire des trucs réalistes, juste pour inventer des choses et pour avoir des discussions. Et elle est super sympa et elle a toujours des peintres. Ils sont là. J'arrive avec mes enfants et on fait tous des petits trucs avec des aquarelles. C'est cool ça. C'est très cool. J'adore ça. Mais comme j'ai dit avant, aussi, je dois enseigner des cours en fusain. Ah oui, forcément. Du coup, tu es obligé de montrer la vraie matière. Oui, mais la Tu... dernière fois que j'avais fait ça, c'était 19 avant COVID. Ça date. Alors, je suis un peu rusty. Est-ce que comme le vélo, c'est quelque chose qu'on ne perd jamais vraiment? Un peu. Ça, je me rappelle la dernière fois que ça fait longtemps que j'avais pas enseigné avec Fusain, que j'ai pris en moi à moi, juste pour me rappeler Pour te comment être remettre complètement bien. confortable, oui, avec tout ça. Alors, parce que on a Noël, on va avoir un petit vacances bientôt. Moi, je vais utiliser des fusains chez moi juste pour me, ouais, pour faire des pratiquer, c'est ça? Ouais, pour pratiquer, pour t'entraîner. Voilà, pour m'entraîner, voilà. OK. Très différent, ça. Alors, on a commencé avec ça. Et maintenant, on a essayé ça. Et Rien à on voir en peut. termes de style. Non. Et on va faire quelque chose de complètement différent maintenant. Et qu'est-ce qu'on a? On a halftones aussi. Ils sont Des sympas. demi-teintes. Demi-teinte, on dit? Demi-teinte. Des trames, on dit trame aussi. Trame Tram. de demi-teinte, ça s'appelait quand j'étais petit. Ah, tram de demi-teinte. Cool. C'est cool d'utiliser ces postes parce que avec plus de pression, tu vas avoir Un des motif marques qui sont plus là. effet, ouais. Et aussi, tu peux les utiliser avec les autres. Comme par exemple, si je choisis ça, je peux mettre les deux ensemble comme ça pour voir qu'est-ce que ça va faire. Pour faire des dégradations, c'est ça? Qu'est-ce que tu as Des dit avant? dégradés. Dégrader. Voilà. C'est cool ça. Et puis.
On peut choisir un autre. Comme manga. Ça me fait penser à l'illustration de... Ah mince. Je vais rechercher ce de Bob Dylan par Ah, Milton Milton Bradley. Glaser. Glazer, pas Bradley. Milton Glazer, Milton Glaser. oui. Ah, tu sais quoi? Je dois trouver, peut-être que tu peux trouver sur l'Internet, je ne sais pas si c'est toujours là, mais j'ai fait pour un truc il y a maintenant au moins 10 ans, Comic Convention, tu sais, pour les bandes dessinées, convention, exposition des... Ouais. Pour ça, je faisais un Wolverine. Exactement comme l'affiche originale de Milton Glaser de Bob Ah. Dylan, mais c'est Wolverine. Alors attends, je vais voir ça. Kyle Webster de Milton Hendricks Pencil. Non, ça doit dater de plus Peut-être loin. Kyle Webster, Logan, Wolverine, Bob Dylan ou Glaser, quelque chose comme ça, On va peut trouver. trouver. On va trouver. Ah, ce serait sur Tumblr, peut-être. Oui, je suis certain que j'ai mis sur Tumblr. Et Ouais. aussi sur Twitter, une fois, Voilà. au moins une fois, peut-être deux fois. Là, j'ai un Wolverine, mais qui est plus, tu sais, Spotty Inker. Donc, ça doit pas être celui-là. Je cherche. Non, j'ai fait beaucoup de Wolverine, mais... Wolverine Series. Alors, pas facile à trouver. On va trouver, on va trouver. Il y a un paquet de Wolverine par toi. Il y en a beaucoup. J'ai du Wolverine en Oil Rich. J'ai du Wolverine en... Presque en dessin. Pas du Ronald Searle, mais... Non, c'était le moment où tu dessinais avec les doubles, les crayons avec les plusieurs couleurs aussi. Mais c'était pas encore ça. Ah, t'as pas trouvé, Non, pas encore, non. Un jour, peut-être. hein? Pas grave. C'est toujours assez magique, mais là, j'ai pas le... La chose que j'aime bien avec ces brosses, c'est que si je vois que oh, je dois changer quelque chose comme ça, je peux changer Directement. et je peux faire comme par exemple, je peux simplement effacer tout ça. Et puis, je peux utiliser les mêmes brosses qu'avant. Et le pattern, c'est ça, le Le pattern, motif. Le motif, motif, ouais. merci.
Motif, ça va être dans la même place qu'avant. D'accord, Tu exactement au même vois? endroit. Ouais, le motif va pas bouger, du coup tu peux Non, compléter, tu peux reprendre en fait. complètement. Exactement. Et puis, pas de problème. Et c'est cool que ça va pas bouger. Heureusement. Oui. Et derrière tout ça, je vais mettre une autre couleur pour notre effet. Et peux même faire des choses comme... attends, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... comme s'il est sur la plage, peut-être. Un peu bleu, comme ça, et puis... peut-être... il y a plein de choix ici, beaucoup d'options. J'aime bien pizza. Peux mettre la pizza ici. Et puis, je peux... pour, ça, c'est pour la mer. Et pour le ciel, je vais changer de couleur un petit peu. Mais ça, très subtil. Et je peux utiliser encore ce couleur ici pour la plage. Ou peut-être non, je peux un peu faire comme ça. Et... Cette palette de couleurs, elle me fait penser à un artiste qu'on a reçu et que j'aime bien, qui s'appelle Mike Stefanini. Mike Stefanini, il Ouais. vient d'où? Italie? Il dit qu'il est américain depuis 1980, mais en vrai, il vient de Nantes. De Nantes, cool. Il se rêve américain. Et Mike, en ce moment, il fait un véhicule d'aventure par jour. Et Wow. donc là, il a fait des vannes, il a fait des vélos, il a fait des bateaux, beaucoup. Et c'est sur YouTube ça, je peux regarder. Lui, on le trouve sur Instagram. Je te taguerai sur la prochaine story, comme ça tu pourras aller voir, si jamais ça vous intéresse. Cool. Il y a des gens dans le chat qui font des trucs cool sur Instagram et qui ont oublié de nous le dire. Si jamais vous avez oublié, c'est le moment de vous rattraper. Je vais vous mettre le lien de l'Instagram de Mike. Il se fait appeler Atomike. Atomike Studio. Parce que Atomike, c'est un autre. Et donc, il a fait un bus un petit peu à la Alexander Superstramp. Il a fait un 4x4 Bronco Wagon, tu sais, avec le bois sur le côté. Oui. Des petites tiny houses sur des camions. C'est... Et il a toujours en Cool. fait des palettes de couleurs qui sont assez chouettes. Je vous mets le lien. Voilà, fini. Alors, on a utilisé des sélections avec le lasso et des brosses de demi-teint, c'est ça ce que tu as dit? Ouais. Demi-teint. Des Et plus brosses que de trame de demi-teinte. trame de demi-teint. Demi-teint. Il y a plus que, je crois, 100 options de Ouais. demi-teint. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. OK? Et voilà. Et on a juste assez de temps pour un petit
Un dernier, non? Un petit dernier? Ok. Petit dernier? Là, il est 50. Ça te laisse Ok. 8 minutes pour le faire et qu'on ait le temps de dire au revoir. Pas de problème. 1, 2, 3. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a pour... Summer 2021. This one, let me see, knockabout, since pizza. Peut-être je vais utiliser des brosses dans des aquarelles. D'accord. Tout ça, c'est aussi sur le site Adobe Watercolor. Pensez avec Natural Edge Texture. On va voir comment c'est ça. Alors, il y a Sébastien qui me dit sur l'Instagram, ouais, je crois que doucement, je commence à faire des trucs cool grâce à toi et Kyle. Oh, c'est sympa ça. Eh oui. Excellent. On est ici pour vous aider. Pour donner des idées, pour donner des méthodes aussi un petit peu de temps en temps. Et si vous avez des questions, faut les poser. Sinon, on ne va pas savoir que vous avez des questions. Et Laurent avait un Instagram de dessin et qu'ils ont supprimé pendant Inktober. Non. Tu n'es pas le seul à avoir perdu ton Instagram récemment. Pauline a perdu son Instagram aussi. Pourquoi? Eh oui. Et ils n'ont pas dit pourquoi? Ah bah si, elle avait des gens pas beaucoup vêtus. Et elle avait des gens déstructurés. Alors, c'était hacked? Non, non, pas Hackers? hacked. Non, non, Instagram removed it. Elle s'est fait éjecter d'Instagram. Mais ils n'ont pas dit pourquoi? Ils ont dit qu'il y avait des illus qui leur plaisaient pas. Oh, come on. Je comprends pas. Oui. C'est la vie d'Instagram, c'est la vie des plateformes, parfois. Elle a dit beaucoup de gros mots ce jour-là. Et tu peux pas Tu peux plaider ta leur... cause et dire, mais non, mais c'était pas si grave que ça, et c'était pas moche et tout, mais c'est. Je pense que c'est. Il y a eu tout un. Toute une déception et un ras-le-bol des plateformes. Bizarre. Ils ont même pas dit exactement quelle image Alors, je crois était problématique. qu'ils ont montré une de ces images, et pour le coup, celle qu'elle nous a passée en disant, bah oui, ils ont supprimé son compte, c'était même pas quelque chose de très grave. J'étais très déçu, parce qu'il n'y avait pas de, il n'y avait même pas de nudity ou quoi que ce soit dessus. Donc, si vous voulez voir des images de Pauline, ce sera pour l'instant uniquement sur Behance. Ouais. Et un jour, elle fera des projets où on verra chaque photo. Parce qu'elle a fait un grand projet sur son Creative Work 2020-2019. Mais il n'y a pas une vignette à chaque fois. Je sais plus si c'était celle-ci. C'est nul comment on peut rien faire vraiment. Hein. On est... Le Behance de Pauline, je vous mets le lien. Hop.
Parce que tout est très créatif et tout, mais il y a une vraie censure dessus. Un Alors ami ça, c'est le dedans, Kyle's un ami Real dedans. Watercolor. Oui, c'est brosses c'était assez populaire, mais en même temps, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils existent. Marche très bien. Fait des effets aquarelles. Mais oui, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui les adorent, il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas qu'ils existent. Alors ça, c'est Alors. toujours compliqué de faire connaître les nouvelles brosses, etc. Et puis je pense que quand tu t'appropries une brosse, au bout d'un moment, tu trouves ta marque de fabrique et la manière dont tu peux travailler avec. La plupart des gens, ils trouvent quelque chose qu'ils aiment bien, ils arrêtent à découvrir les autres. Parce qu'ils disent, bon, j'ai trouvé ce que je veux et fini. Et comme ça, c'est dommage parce que il y a peut-être des autres brosses qui peuvent utiliser, qui peuvent changer leur style ou ajouter quelque chose à leur style ou créer une autre option pour eux pour exprimer. Et pour développer comme artiste, essayer des autres effets, des autres techniques. Alors, je dis tout le temps, même si tu as trouvé quelque chose que tu adores, tu utilises ça tout le temps et tu dis oui, ça marche pour mon style, tout ça, n'arrête pas de continuer À à chercher en trouver des fait. autres, Ouais, rechercher, chercher, voilà. découvrir, c'est conserver la curiosité. Ben voilà. C'est nécessaire. C'est une partie de l'art en général. C'est pas simplement quelque chose que tu fais pour l'art digital, mais même avec des matériaux traditionnels et tout ça, traditionnels, qu'est-ce qu'on dit? Alors, y a Sébastien qui me pose une question. Il l'a posée tout à l'heure et je l'avais zappé. Est-ce Oui. qu'on peut régler le lasso dans Photoshop? Alors, moi, je sais qu'on peut régler le contour progressif du lasso. Après, je sais pas si en. Régler comment? Tout ça là, pareil dans nos paramètres. Mais je sais pas ce qu'il cherche à faire dessus. Attends, je vais essayer de retrouver la question du début. Ta-ta-ta. Au niveau de la précision. Bah, la précision, c'est la précision de Ah. ton curseur, non? Non. Non, tu peux pas. Et qu'est-ce qu'il veut faire avec la pression, avec les lasso? Oh, il faut que j'arrête. Je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps ici. Il te OK. reste 15 secondes pour terminer cette image. Voilà. C'est Ça va. bien, c'est bien. C'est OK. Alors, Est-ce que ça 1, vous plaît? 2, 3, 4. OK. Beaucoup d'options, beaucoup de styles, beaucoup de brosses. On a fait des choses différentes aujourd'hui. Merci bien. Nickel. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi, Kyle. Comme d'habitude, c'était toujours très très bien et très très riche en termes de rendu, en termes de tests autour des brosses. J'espère que ça vous a plus. On se retrouve nous demain pour une session perspective. Là, je vais faire un exercice risqué parce que je suis nul en perspective, mais vous allez voir que nul en perspective, quand on se fait bien aider, ça peut aller. Et du coup, je vais faire de la perspective à la fois dans Fresco. On va regarder les perspectives, les aides de dessin qu'il peut y avoir dans Fresco et dans Photoshop. Donc, vous avez vu des contenus avec Kyle. Tu avais fait une session exprès sur la perspective lorsque l'outil est sorti. Et moi, je vais vous compléter ça. Donc, perspective dans Photoshop et dans Fresco demain, plutôt en dessin qu'en image, mais on passera sur le point de fuite, tout ça. Voilà. Merci Franck et merci à tous. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez raté le début, vous avez les replays. Et d'ici là, ben, travaillez bien. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao Kyle, merci.